client a pourtant le droit... Je suis au courant, maître. Tout dépend de ce témoin. Monsieur l'avocat général, je suis content que vous soyez de mon avis, pour une fois. Tout le plaisir est pour moi. Messieurs, voyons, je vous en prie. Je demande un contre-interrogatoire. Ce n'est pas une demande habituelle. Oui, mais elle est pourtant envisagée dans l'article 239 de notre code pénal, monsieur le président. Monsieur l'avocat général. Je m'oppose à cette demande. Je suis désolé, maître, je n'ai pas l'intention de céder. Je maintiens ma demande, monsieur le président. Monsieur l'avocat de la défense, avant de citer les articles du code, je vous conseillerais de les lire. J'aurais tout de même fait cet effort à votre place. Je n'ai pas besoin de vos conseils. Messieurs, je vous en prie. Un contre-interrogatoire, conformément à l'article 239 du code pénal, est accordé uniquement quand les représentants de la défense et de l'accusation en font ensemble la demande. Il ne vous suffit pas d'en faire la demande tout seul. Je réitère mon refus. Bien. Je ne maintiens pas ma demande. Nous allons reprendre l'audience. Le témoin devra prêter serment. Avant les plaidoyers, nous prendrons une pause d'un quart d'heure. Si vous voulez bien vous lever, veuillez répéter après moi. J'ai encore trois rendez-vous aujourd'hui. Je suis juste venu lui montrer l'article qui vient de paraître. Je crois que je ne vais pas traîner longtemps par ici. Après vous. Attention, les voilà. Maître Renz? Oui. Allez-vous donner une conférence de presse? Oui, nous avons une interruption. Je voulais vous montrer l'article qui vient de paraître, troisième page. Vos papiers. Rien n'a été oublié. Ah, excellent. Vous devriez peut-être lire le code pénal de temps en temps, maître. Pas seulement le journal du soir. Je vous remercie de vos judicieux conseils, mais le compte-rendu de ma conférence m'apporte toujours la plus grande joie. Vous voulez voir? Non, non, non. Merci, ça ne peut amuser que vous. Imbécile. Si ça n'est plus de passer de près, ça reste entre nous, bien sûr. La séance va reprendre. Prenez place. Monsieur l'avocat général. Oui. On fait la paix? Non, non, merci, je n'aime pas les sucreries. Une question. Comment allez-vous plaider? Pour l'acquittement. Quel sera le verdict? Ah, l'acquittement, bien sûr. Acquittement. Quelle question? Cabinet Reiss, bonjour. Et l'avocat général? Il avait demandé 3 ans. Non, je suis désolée, maître Reiss est en réunion actuellement. Qui c'était? Ah non, je ne sais pas. Un vieux renard. Il s'appelle Vermuller. Jeudi à 17h, ça vous conviendrait? À nouveau? Ah bon, très bien, c'est le suivi. Au revoir, monsieur. Jusque-là, je ne le trouvais pas désagréable. Je sais bien que tout dépend de ce témoin. Monsieur l'avocat de la défense, je vous recommande de lire les articles du code avant de les citer. Tu l'as oublié, ton code? L'article 239, contre-interrogatoire. Tu voulais un contre-interrogatoire? Oui. Seulement, ça n'est possible que si les deux parties sont d'accord. L'accusation et la défense doivent en faire ensemble la demande. Et ça m'avait échappé. Mais comment ton client a pu être acquitté, alors? L'avocat général, il avait raison de te rappeler le code pénal? Bien sûr. Mais en commettant cette erreur, j'ai donné au témoin un poids qu'il n'avait pas. En demandant un contre-interrogatoire? Oui. Et le juge ne pouvait pas concevoir que maître Renz était lui aussi capable d'erreur? C'est sans doute ce qui s'est produit. Monsieur l'avocat général Vermuller. Comment? Monsieur l'avocat général Vermuller voudrait vous parler. Oui, pourquoi? Bon, ben, faites-le entrer. Je vous en prie. Vous avez décidé de me donner des cours de rattrapage afin de combler mes lacunes? Non, non, j'ai besoin de vous, maître. Pardon? Besoin de moi? Oui, de vous. Bien que je ne sois pas capable de lire le code pénal. Maître Renz, je ne suis pas bête au point de ne pas avoir remarqué vos fabuleux talents d'avocat. J'ai besoin de vous. Votre confiance m'honore. Voyez-vous, je suis venu en simple client. Enfin, j'espère pouvoir le devenir. Me ferez-vous ce plaisir? Eh bien, dites-moi de quoi il retourne.
C'est une photo prise au radar pour excès de vitesse. Le 5 du mois dernier, à 9h21, 92 à l'heure au lieu de 50 si l'on retire les 3 km supplémentaires autorisés. Et voici l'amende. Je n'y suis pour rien. Ah bon? Mais qui conduisait? C'est ma voiture, ou plus exactement, c'est une voiture qui ressemble à la mienne. Ça ne peut pas être moi. Je ne suis pas passé à cet endroit ce jour-là. C'est votre numéro? C'est le même. C'est la même marque et la même couleur que ma voiture. Tout semble coïncider. Votre femme? Non, non, elle n'a pas le permis. Je ne prête jamais ma voiture. Ben, ça ne va pas être facile. Non, j'en suis sûr. Il y a forcément une autre voiture qui a le même numéro que le mien. Ah. Quand on est coupable d'un excès de vitesse et qu'on ne trouve plus d'excuses, c'est généralement ce qu'on dit. Je ne suis pas le seul à avoir ce numéro. Oui, mais là, c'est la vérité. Oui, oui, c'est ce qu'ils disent tous. Vous le savez aussi bien que moi. Je ne suis pas en train de trouver des excuses. Je vous dis la vérité. Vous habitez en banlieue? Oui, à Gumpenheim. Vous dites que vous êtes le seul à conduire votre voiture. Alors, dans ce cas, où étiez-vous le 5 novembre dernier à 9h21? C'était un vendredi. J'étais dans mon bureau. Je n'avais malheureusement pas d'audience, ni de rendez-vous, rien. J'étais tout seul dans mon bureau. Et votre personnel, vos collègues, vous avez bien des secrétaires? Oui, ils m'ont vu, c'est évident. Ils me voient tous les jours, mais là, ils ne peuvent pas affirmer si le 5 novembre à 9h21, j'étais effectivement assis à mon bureau. Ils ne s'en souviennent plus. Et sinon, vous n'avez aucun autre point de référence? Non, aucun. Il ne s'est absolument rien passé. Si ce n'est bien sûr cet incident. Ça va être difficile. Non, je refuse de porter la responsabilité du... Monsieur Wiermüller, comment voulez-vous procéder? Vous ne faites aucune illusion. Et puis 150 marques et 3 mauvais points sur votre permis, ça n'est tout de même pas la mer à boire. Non, la question n'est pas là. Je m'en doutais. Bien que 150 marques, c'est tout de même 150 marques. Surtout pour moi. Mais pour moi aussi. Non, ce qui m'ennuie le plus, franchement, c'est... Écoutez, les mauvais points sont régulièrement effacés tous les 2 ans. Ce qui m'ennuie le plus, c'est le principe de justice. Ne le prenez pas personnellement. Mais ça m'amuse toujours un peu d'entendre un juriste dire qu'il est préoccupé par la justice. D'autre part, je vais devoir prendre des cours de code. De code. J'aurai l'air parfaitement idiot quand le moniteur annoncera « Nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous Monsieur l'avocat général Wiermüller ». J'aurai l'air ridicule. Ça n'était pas moi. Je vous assure. Oui, mais vous êtes coupable à moins d'apporter la preuve de votre innocence. Si vous regardez les choses objectivement... Maître, il y a à peu près 6 mois, on m'a envoyé 4 amendes pour stationnement interdit. Elles sont arrivées les unes après les autres. J'ai payé les 3 premières, mais la 4e venait de Wiesbaden. Heureusement, ce jour-là, ma voiture était en réparation dans un garage de Francfort. Il m'a donc été facile de démontrer que je n'étais pas en cause. Maître, il y a un autre véhicule qui porte le même numéro que le mien. C'est tout à fait invraisemblable. Mais c'est tout de même étrange. Bon. Je vais faire pour le mieux. Je vous remercie. Bon, voulez-vous que je vous verse une avance sur vos honoraires? Non, je vous en prie, monsieur Wiermüller. Mes conseils ne seront pas gratuits, bien sûr, je serai obligé d'appliquer mes tarifs. Merci. Cependant, entre juristes, ce serait un comble de ne pas pouvoir se faire confiance. Oh, merci, merci, c'est gentil, au revoir. Au revoir, monsieur. Alors? Excès de vitesse, et ça n'était pas lui. C'est vieux comme le monde, c'est ce qu'on dit toujours. Peut-être. Mais c'est tout de même curieux, cette histoire. Vous savez où elle se trouve, la sous-préfecture? Non, on ne sait pas. Bon. Ah, merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.
Salut. Et celle-là, elle se met pas là? Qu'est-ce que vous voulez? Une question seulement. Où se trouve la sous-préfecture? La sous-préfecture? Pourquoi? Il y en a bien une par ici, non? Évidemment. Et vous savez où elle est? Ils en ont construit une nouvelle. Dans le temps, elle était pas loin d'ici, au carrefour, à droite. Il y a une caisse d'épargne, maintenant. Les gens disent toujours... Oh, ça va, ne vous emballez pas. Avant de me raconter tout le film, donnez-moi une bière. Mais quel film? C'est une histoire, vrai? Je voudrais une bière. Tenez. Je m'en fiche de savoir où elle était dans le passé. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir où elle est aujourd'hui. Bon, c'est facile. Vous êtes en voiture? Oui. Alors, vous tournez à gauche, tout de suite à gauche en sortant, et vous allez passer sous la voie ferrée. Ensuite, vous verrez sur votre droite un bâtiment jaune, c'est là. Merci. C'est lui. Qui ça? Cali. Cali, qui c'est celui-là? C'est pas l'idiot, c'est lui. Cali, je connais pas. On m'a pourtant dit que Cali... Mais je vous dis que je le connais pas, votre Cali, fichez-moi la paix. S'il vous plaît, la monnaie. C'est totalement exclu. Totalement exclu. Une chose pareille ne peut pas se produire dans mon service. Et il n'y a pas d'autre explication? Ça fait 21 ans que je fais ce métier, monsieur, et j'ai jamais eu ça. Envoyez-moi Kliman. Totalement exclu. Et je vous assure... Tout va rentrer dans l'ordre sans que vous ayez le temps d'y voir. Si seulement vous pouviez avoir raison. Mais entrez. Ah, Kliman, s'il vous plaît. Ce numéro aurait été attribué 2 fois, vous voulez vérifier? Je connais monsieur l'avocat général Vermuller. Un rêveur. Un intellectuel. Et voilà. Ça arrive à tout le monde d'appuyer sur le champignon. 60 au lieu de 50, d'accord, mais 90... Et alors, allez savoir pourquoi il était pressé ce jour-là, ça arrive. Et je vais vous faire une confidence. Si on avait l'informatique, j'admettrais tout de suite qu'on ait pu commettre une erreur. Mais Kliman, infaillible, incapable d'erreur. Je vous l'avais bien dit. Tout est en ordre. Je n'en ai jamais douté. Pardon. Un ordinateur, oui. Mais Kliman, jamais. Bon, merci beaucoup. $200 d'amende. Ou 3 jours de prison. C'est vraiment une honte. Je vous avais averti. Vous n'aviez pas intérêt à faire appel. Vous n'aviez pas la moindre chance de l'emporter. On va boire un café? Non, non, j'ai pas très envie. Il faut pas se laisser abattre. C'est tout de même pas si grave que ça. Je sais que ça n'était pas moi. Je vous le jure. Est-ce que cela vous ferait plaisir de savoir que je vous crois, moi? Non, sérieusement. Je suis avocat depuis plus de 20 ans, presque 25. J'ai toutes les raisons du monde de ne plus croire personne. Eh bien, vous, voyez-vous, je vous crois. Oui, c'est vrai. Mais seulement le juge, lui, il ne m'a pas cru. Oui, il a une fois de plus démenti la vérité de certains proverbes. Lesquels? Par exemple, les loups ne se mangent pas entre eux, ou tout est bien et qui finit bien. Je n'irai pas, Olson Cotes. Je m'y refuse. Non, non, je n'irai pas. Ouais. Je vais arranger ça. Je me souviens d'une décision administrative. Il faut que je remette la main dessus. Une invitation à des cours de code ne doit pas être une mesure vexatoire. Mm-hmm. Or, inviter un avocat général qui connaît mieux le code de la route que la police correspond à une mesure extrêmement vexatoire. Allez, oubliez cette histoire. Je n'y arrive pas. J'ai l'impression d'être poursuivi. C'est comme un cauchemar. Vous avez votre nouveau numéro d'immatriculation? Oui, depuis la semaine dernière. J'ai eu DL400. Ah, ça sonne bien. Il va vous porter chance.
dois 3 bouteilles de champagne, c'est tout. J'avais parié qu'Eintracht gagnerait et ils ont gagné. 3-1. Oui, parce que l'arbitre était avec eux. Le premier but était hors-jeu et le pénalty n'était pas bon non plus. Tu as perdu, tu me dois 3 bouteilles. Ça, tu peux toujours attendre. C'est ce qu'il y a marqué, là. C'est bon, je t'enverrai une facture. Je préférerais une ordonnance de saisie. C'est bien une idée d'avocat, ça. Il faut bien faire vivre les huissiers. Et puis, en fin de compte... Non, mais t'as vu ça? Il a pas froid aux yeux, lui. C'est un vrai danger public. Dis donc, t'as rien remarqué? Quoi? T'as pas remarqué que c'était la voiture de Vermuller? GUDL 411. T'en es sûr? Évidemment. Alors là, si c'est vrai, t'as gagné 10 bouteilles de champagne. Tu peux me prêter un marque? Ça fera 100 avec tout ce que tu me dois. Mmh. Puisque je vous dis que je n'ai pas bougé d'ici, de la journée, ça n'était pas moi. Au moment de l'accident, ça le pouvait... témoin a identifié votre voiture, ça ne fait aucun doute. Vous avez bien une Audi 80 vert clair immatriculée GUDL 411. Excusez-moi. Oui, j'écoute. Monsieur Wiermüller, maître Renz, je n'ai pas le temps de vous expliquer ce qui se passe, mais je voudrais vous poser une question. Où est votre voiture? Ma voiture? Ici? Oui, bien sûr, maître. Allô? Non, 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 elle n'a pas bougé. Elle est à la même place, oui. Je viens d'aller vérifier. Mais oui, c'est bien ma voiture. Oui, oui, devant le palais de justice. Oui, oui, bien sûr, maître. Pardon? Oui, 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 si vous voulez, je passerai à votre bureau. Au revoir. Pourquoi s'en prend-on à moi? Je fais mon travail, comme tout le monde. Oui, vous avez raison. Vous ne faites que votre métier. Mais vous auriez tort de croire qu'il est semblable à n'importe quel autre. Vous avez peut-être mal appliqué la justice. Non. Non. Vous demandez à mes collègues. J'ai plutôt tendance à suspendre une procédure quand je ne suis pas sûr de moi. Non, non, pour certains de mes collègues, je ne suis pas assez sévère. Alors. Y a-t-il quelqu'un qui pouvait vous en vouloir de l'avoir condamné, bien que le verdict fût mérité? Oh, non, qui? Ben, réfléchissez. J'ai plaidé des milliers de fois. Non, 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 enfin, pas des milliers, mais des centaines, en comptant tous les délits mineurs. Alors, vous devez bien vous souvenir de certaines affaires. Oui, par exemple, j'avais poursuivi un proxénète, Schneff. Quel numéro, ce type? Schneff Helmut, avec 2 F. Une brute épaisse, imbécile. C'était quand? Oh, il y a à peu près 1 an, mais il n'est pas sorti. Non, non, je me suis renseigné. Alors, ça ne peut pas être lui. Peut-être Asner, le spécialiste des stations-service. Oui. Oui. Pendant son procès, il m'avait menacé de me tordre le cou quand il serait relâché. Un chien qui aboie ne mord pas forcément. Ce sont les exceptions qui confirment la règle. Vous n'avez pas d'autres souvenirs? Non. Non, pas pour l'instant. Vous devriez parcourir à nouveau vos dossiers. Oui, 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 vous avez raison. Je vais demander un nouveau numéro, c'est le plus urgent, et faire annuler celui dont on s'est servi. J'ai déjà averti le procureur général. C'est bien. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Pardon, qui ça, le procureur? Oui. Merci. Rien d'autre? Non. Ah si, attendez. Il devait aller chez le coiffeur. Voilà. C'est un vrai père pour ses subordonnés. Thank you.
Bonjour. Une bière. Vous êtes déjà venu? Moi? Oui. Je le reconnais. Une fois que j'ai vu une tête, moi, je n'oublie pas. Oh, si vous le dites. Je vais dîner. Représentant. Ouais, vous n'êtes pas loin. Dites donc. Oui. Et voilà ce qui m'arrive. J'ai été muté ici, à Francfort. J'arrive de Munich. C'est un circondoléance, s'il vous plaît. Non, c'est pas la catastrophe. Non, j'ai franchi un échelon. Mais j'ai pas envie d'habiter à Francfort, alors je cherche quelque chose en dehors. Ici, à Guggenheim? Ça vous plaît pas, le coin? Ah, c'est vrai que ça pourrait être pire. On s'habitue à tout, mais il y a des coins plus jolis. Rombourg, Kronberg, Glashütte. Mais je suis pas encore tout en haut de l'échelle. C'est une question de portefeuille, aussi. Un schnapp, s'il vous plaît. Oui. J'ai compris. Vous voulez que je me renseigne? Ah, ben, ma boîte vous versera une petite commission, bien sûr. Pour la peine. Je n'ai pas d'idée comme ça. Je vais y réfléchir. Et vous n'avez rien à louer? Si, j'ai des chambres, mais c'est pas le luxe. Jusqu'à ce que j'ai trouvé un appartement. Ah, bon, c'est pas vraiment le grand confort, je vous aurais averti. Pourvu qu'il n'y ait pas de fuite, hein, moi. Venez. Au fait, je m'appelle Matula. Enchanté. Bonsoir, Georges. C'est Arcadie. Il allait descendre et puis il s'est fait la malle, il a eu les jetons, oui. Bonsoir. Les papiers de la voiture, s'il vous plaît. Oui, naturellement. Qu'est-ce qui se passe? C'est lui. Descendez, monsieur Vermüller. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Descendez, s'il vous plaît. Auriez-vous l'amabilité de me dire ce qui se passe? Vous avez bu de l'alcool, du vin, de la bière? Je ne bois jamais quand je conduis. C'est ce qu'on va voir. Vous avez eu un accident ce soir à Schalshaus. Mais non. Vous allez devoir nous suivre pour une prise de sang. Et puisque je vous dis que je l'ai... On vous soupçonne d'une tentative de fuite. Fermez votre voiture et venez avec nous. Appuyez sur le coton, s'il vous plaît. Oui. Merci. Pardon, où puis-je téléphoner, s'il vous plaît? Dans le couloir, dehors.
client ne fera aucune déposition maintenant. Oui, mais... C'est son droit, monsieur l'agent. Oui, comme vous voudrez. Je peux récupérer mon permis? Non, c'est une pièce du dossier. Il reste là. Ce sera tout? Vous pouvez disposer, je vous retiens pas. Je vais vous raccompagner. Je n'y suis pour rien. Je vous le jure. Il y avait des témoins, pourtant. Ça ne change rien. D'honorables citoyens ont relevé le numéro. C'est insensé. Je l'ai seulement depuis 2 jours. Eh oui, je sais bien. Vous ne me croyez pas? Mais si, monsieur Vermuller. Ouais, si ça continue comme ça, je vais devenir fou. Calmez-vous. Je sais bien que vous n'y êtes pour rien. D'après vous, pourquoi j'aurais acheté une nouvelle voiture à Matula qu'il a enregistrée à Guggenheim? C'est trop bête que vous ne puissiez pas prouver où vous étiez à l'heure de l'accident. J'étais au bureau. Au milieu de la nuit? Oui, je n'arrive plus à dormir. J'en ai profité pour travailler un peu. Et on ne vous croira pas. Un fonctionnaire ne fait pas de zèle. Il ne retourne pas à son bureau en pleine nuit. Si au moins vous étiez allé voir une copine. Ah, je serais plus crédible, n'est-ce pas? Bien sûr. Et vous auriez un témoin. Le gardien ne vous a pas vu? Non, il est à l'entrée principale. J'ai une clé pour entrer par la Buchnerstrasse. Il y a des chances pour qu'on vous ait observé. Oui, 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 mais qui? Qui? On vous a suivi et on a attendu le moment précis où vous n'aviez pas d'alibi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Prenez bien soin de votre mari. Dès que j'ai des nouvelles de Matula, je vous fais signe. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va bien? C'est plutôt mort par ici. C'est toujours comme ça? Je connais pas le coin. Je viens d'emménager. J'arrive de Munich. Alors je me demandais si c'était toujours aussi calme. Ouais, ça dépend des jours. Ah ouais. Une bière, s'il vous plaît? Oui. Non, deux. Elles sont pour moi. La gloire de Guggenheim et de ses tonneaux. Que la bière coule à flot. Tu ne veux pas aller te coucher? Tu l'as fatigué. Je pourrais pas dormir. Tu veux un somnifère? Bien, tu veux un petit cognac? Non, merci. Est-ce que je peux t'aider? Essaie de penser à autre chose. Je me fais du souci pour toi. Mais qu'est-ce que tu attends de moi? Que je rigole, que je saute au plafond? Je peux pas oublier ce qui s'est passé. Quand je pense qu'on est encore... Oui, allô? Lui-même. Quand? Oui. Oui, merci. Qui c'était? Qui a appelé? Mais je t'en prie, réponds-moi, qu'est-ce qui est arrivé? L'homme que j'ai renversé. Mais tu m'as dit que tu n'étais pas responsable. Ça change rien. Ils s'en moquent. Ce qui importe, c'est qu'ils aient un responsable.
Tout finira par s'arranger. On va retrouver le coupable. Ne t'énerve pas. Essaie de te contrôler. Mais où est-ce que tu vas? Je vais prendre l'air. Quand on est pris dans un engrenage, c'est très dur de s'en dépêtrer. Tu veux que je t'accompagne? Robert! Qu'est-ce qu'il y a? Il est mort. Quand ça? Et votre mari? Vous ne savez pas où il est? Oui, mais je comprends. Bon, très bien, je vais m'en occuper. Oui, oui. J'y vais et je vous rappelle. Également à remercier la mairie et Francfort. Quelle barbe cette télé! Je la regarde même plus. Et il ne s'agit pas tant de la tienne qui a naturellement joué un rôle de premier rôle que de l'encouragement et de l'appui moral que nous avons reçu à chaque étape. Attends, c'est ma tournée maintenant. Non, 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 c'est moi qui arrose. Je fais mon arrivée, alors profite-en. Garçon, remettez-nous ça. Et il faudrait peut-être que je me présente. Enchanté. Mathieu, là. Mes hommages. Werner. Ah, Werner, bouge pas, reste assis. Une table, monsieur? Non, non, dites-moi, vous devez connaître monsieur Vermuller, l'avocat général Vermuller. Oui, il nous rend visite le mardi. Et il n'est pas là aujourd'hui? Non, nous sommes jeudi. D'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, il n'était pas là non plus mardi dernier. Et ce soir, il n'est pas venu? Je l'aurais remarqué, monsieur. Ah bon? Merci. Mon mari ne sort pas souvent. C'est le seul endroit qu'il fréquente. Mais il n'y était pas. Alors je vois pas où il peut être. Il a la clé de son bureau sur lui. Oui, oui, elle ne le quitte jamais. Pourquoi? Vous en êtes sûr? Oui. Très bien. Je comprends pas. Je vous expliquerai plus tard, je vous rappellerai. Bon, merci. Au revoir. L'imbécile. J'ai préféré me tirer et les autres ont suivi. À quoi vous jouez avec lui? Moi? Ben, je vois rien. Ah, il est complètement chou, vous n'avez pas remarqué? Et alors, ça le regarde, il est assez grand? C'est moi le patron ici. Je sais. C'est moi qui commande, c'est clair? Mais... ça suffit maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas venir, Cali, oui ou merde? Je sais pas qui c'est, Cali. Vous allez me faire le plaisir de vous tenir tranquille. Une bière et un cognac. C'est bon, on s'en va. Allez, je crois qu'il vaut mieux qu'on se casse, ça commence à craindre ici. Allez, lève-toi. J'y arrive. T'en fiche, on m'entend. Et voilà. Chale le connard, on s'en va. Et fichez le camp. Ouais, ouais. Mettez tout sur la note, patron.
la clé de voiture. Arrête tes conneries. T'entends ce que je te dis? Tu peux pas conduire dans cet état. Moi, écoute-moi bien, mon petit. Évidemment que je peux conduire. J'ai l'habitude. Rends-moi ma clé. Demain, quand tu auras des saoulés, je vais te raccompagner chez toi. Écoute, si je prends le volant là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer d'après toi? La police va te reprendre ton permis. La police? Allez, arrête-toi, merde, ça suffit. La police, mon petit, elle a rien à dire à Gumpenheim. La police, ici, on s'en balance, elle n'existe pas. Si jamais les flics ont le toupet de me prendre mon permis, demain, j'en aurai un autre. On parie? Pour un billet de 1000, mon pote Cali peut tout arranger. Des papiers de bagnole, un passeport, un permis de conduire. Et même, au besoin, un nouveau numéro. Ah. Je te le jure. Et qui c'est, ce mec? Cali? Ouais. Cali, c'est Cali. C'est pas compliqué. Bon, merci bien, j'ai passé une bonne soirée. C'est vraiment très sympa. Hé, fais gaffe, mets tes phares. Ouais. C'est vous, maître? Oui, je viens voir monsieur l'avocat général Vermuller. Maintenant, en plein milieu de la nuit? Mais il n'y a plus personne. Appelez-le. Bien, maître. Mais il ne répond pas. Il n'est pas là. Faites là. Ben, je vous ai cherché partout, figurez-vous. Vous allez commencer par appeler votre femme. Elle se fait un souci, vous me raconterez après. Où est-ce que je peux me laver les mains? À côté. Merci. Allô? Oui, c'est moi. Non, je suis à mon bureau. Non. Non, maître Hans est là. Oui, mais tu le sais bien, voyons. Non, t'avais pas de soucis, ça va aller. Alors vous m'avez cru capable de faire une bêtise, hein? J'ai parcouru la ville dans tous les sens, pendant 3 heures. Dans le but d'empêcher un homme au désespoir de faire une dernière bêtise. Nous étions très inquiets, votre femme et moi. Comme tout semble soudain très relatif. Quand on tombe soi-même dans le piège. Vous avez été trop exigeant avec vous et avec les autres. Voyez-vous, le droit et la justice sont parfois difficilement conciliables, mon cher maître. J'ai du mal à l'admettre, je m'y refuse. Non. Chaque juriste doit en prendre conscience. Ça ne change rien au fait que cet homme soit mort. Oui. C'est affreux. J'aimerais faire immatriculer mon véhicule. C'est pas que je veux, je suis bien obligé. Ça coûte combien ?
Commencez par remplir le formulaire. Ensuite, vous irez à la caisse et vous reviendrez me voir avec le reçu. Bon, et après ? Après ? On vous donnera d'abord un numéro et on vous fera ensuite une plaque d'immatriculation. Comment je vais être immatriculé ? Sur fond blanc avec des lettres noires. Ah, oui, mais j'aurai quel numéro ? Vous verrez bien. Allez d'abord à la caisse et puis revenez avec le reçu. Vous croyez à l'astrologie, vous ? À quoi ? J'aurais bien aimé avoir le numéro 888, parce que je suis bélier. Vous voyez ce que je veux dire, hein ? 8, c'est le nombre d'or du bélier. Je me serais contenté de 88. Mais si j'avais le 888, ça serait vraiment le grand pied. Avec mes initiales aussi. J.M. On ne fait pas de sur-mesure à la préfecture. Les numéros sont attribués dans l'ordre. J'ai aussi le bonjour à vous donner de la part de Cali. Hunter, veuillez rendre ce dossier au service des archives et apporter tous les dossiers de 76, commençant par A. Ça va en faire un paquet. Oui, ben ça vous occupera. Rappelez-moi votre nom. Matula. J'ai le bonjour à vous donner de la part de Cali. Qui est Cali ? Cali ? Ah, il a dit que vous seriez au courant. Non, je ne connais malheureusement aucun Cali. La caisse est au numéro 7. Sans reçu, nous ne pouvons pas vous remettre de numéro. Allô, c'est Tony Callier, là. Il faut absolument que je lui parle au plus vite. Oui, ce soir. Non, non, il ne doit pas téléphoner ici. Oui, comme d'habitude. Dis-lui bien d'être à l'heure. Il y a quelqu'un qui a dû faire une sacrée bourde. Kliman qui fournit les faux numéros, les fausses immatriculations. Oui, il a accès à toutes les données importantes. Le patron du café sert d'intermédiaire et Cali de vendeur. Mais quand tu n'as plus envie de payer ta vignette, ton assurance ou tes amendes, quand tu es dans le pétrin jusqu'au cou, il te suffit d'allonger un billet de 1000 et c'est réglé. On te procure de faux papiers sans aucun risque, avec le faux numéro correspondant. Et minutieux comme il est, Kliman choisit celui d'un véhicule identique qui n'a encore jamais été contrôlé. Il suffit de faire preuve de prudence, de ne pas se garer à côté de la voiture qui a le même numéro. Notre homme n'a pas été prudent. Il ne voulait pas non plus faire d'économie. Ce qu'il voulait, c'était nuire à Wiermüller, tout simplement. Et il y est d'ailleurs presque arrivé. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à avertir la sous-préfecture de cette escroquerie. Oui, très bien. Comme ça, on ne mettra jamais la main sur le type qui en veut à Wiermüller. Eh, je vois. Tu vas te livrer à ton occupation favorite, étendre un piège à Cali. Hein. Ce n'est pas un peu dangereux. Ce ne sera pas la première fois. Tu permets ? Bien sûr. Allô, bonjour, c'est Matula. Ouais. Pas maintenant. Mais tu peux dire à Albert de venir ce soir à Guppenheim. Oui, c'est ça, Guppenheim. Avec Hugo, si possible. Dans le bistrot au Café du Commerce. Oh, c'est facile à trouver, c'est juste après le pont. Ouais. On va qu'il se pointe vers 7 heures. Merci. Salut. J'espère que ça ne va pas foirer. Il y a un vieux proverbe babylonien qui dit « Avec Matula, tout va ». Des saucisses. Faut que je vous cause. Maintenant, allez, vraiment pas le temps. Je vous conseille d'en trouver vite. Ça va pas, non? Je suis occupé. Alors, ouvrez bien grand vos oreilles. Cali ne viendra plus. Terminé. Cali, qui c'est celui-là? Tu veux que je te fasse un dessin? Laisse ce verre et suis-moi, je vais tout expliquer. Tout à l'heure. Tu vas te remuer, oui? Allez, viens. Je te
présente mon meilleur ami. Il s'appelle Walter. Tu peux me croire, Callie ne viendra plus. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui prends sa place. C'est clair? Disons que je m'appelle Otto. D'accord? Vous êtes de la police? Non, je ne suis pas de la police. Les affaires continuent comme avant. Oui, mais... Si quelqu'un veut voir Callie, il n'existe plus. Maintenant, c'est Otto. Combien t'as eu de clients la semaine dernière? Oh, pas beaucoup, un seulement. Tu mens! Je vous jure qu'il y en a eu qu'un, avec une petite moustache. Fais gaffe, quand il reviendra, avec sa petite moustache, sois gentil de me l'envoyer. Oui, oui. Et si jamais Callie fait son apparition? S'il se pointe, tant pis, tu ne le connais plus. Comment voulez-vous que je fasse? Ça ira, je vais tout arranger. Viens. Allez. Qu'est-ce que vous voulez? Je peux avoir la clé de ma chambre, s'il vous plaît? Voilà. Ça ira? Ouais. De la visite. Je m'en étais douté. Un certain Callie. Quand? Si mes calculs sont exacts, je pense qu'il va pas tarder. Ouais. Soyez gentil avec lui. Il faut que sa mère puisse le reconnaître. C'est vrai, elle tient tellement à lui. Où il est? Dans sa chambre. Il est seul? Oui. Quelqu'un a pu le rejoindre sans que tu le remarques? Non. Numéro? 4. Mais fais pas de conneries, hein? T'es chez moi ici. Je compte jusqu'à 3 et tu te casses d'ici en vitesse. Non! Voilà, on t'écoute maintenant. T'as pas envie qu'on l'abîme un peu? Non. D'abord, il a une belle histoire à nous raconter. J'ai rien à vous dire. Hugo, le petit Albert va le surveiller tout seul. Descends appeler la police. Attends. Quoi? On n'a pas besoin des poulets. Je suis d'accord, ça dépend de toi. Toi et moi, tous les deux, on peut s'arranger. Hein? Il y en a assez pour deux. Tu veux dire qu'on pourrait continuer le business ensemble? C'est fini la comédie. Tout le monde va être au courant, y compris la police. Alors je te conseille de déballer ton sac et en vitesse, si tu veux que les flics te fassent une fleur. Bon. Mais entre quatre yeux. D'abord, je veux que tes potes disparaissent. Comme tu veux. Alors, comment s'appelle le type à qui tu as fourni les deux derniers numéros? Quel numéro? D'accord, d'accord. Il y en a plusieurs.
Je parle de deux plaques bien précises. GUDL 411 et GUBR 285. Tu veux que je rappelle mes copains pour t'aider? Windle? Mais oui, qui c'était? Ce nom me dit quelque chose. C'est le nom de la personne qui faisait appel à Cali pour les faux numéros. Il surveillait tous vos mouvements. Il s'est acheté la même voiture que vous, c'est lui qui a provoqué les accidents. Il voulait vous démolir. Mais enfin, pour quelle raison? Il vous racontera tout lui-même quand on le tiendra. Il a investi une jolie somme. 8000 marques. Quoi? Non, c'est pas vrai. Si, si. Vous n'avez aucun souvenir de cette affaire? Non. Non, non, j'en ai aucun souvenir. Ça doit être un dossier insignifiant. Findlay ne connaît pas encore sa chance. Il vient d'envoyer un message à Cali. Parce que vous avez un nouveau numéro. Et Cali est en prison. C'est Otto qui a pris sa place. Et qui est Otto? Otto? Vous n'avez pas fait connaissance? Non, je ne me souviens pas de lui. Vous n'avez pas fait des recherches dans vos dossiers? Si, si, nous avons commencé de chercher, mais il y a tellement de dossiers. Oui. Alors nous saurons bientôt si vous le connaissez. Ouais. Otto? Ouais. Il paraît que c'est vous qui remplacez Cali. Possible. Monsieur Windla? Oui. J'ai une surprise pour vous, entrer. Monsieur l'avocat général, excusez-moi, j'ai dû me tromper. Non, non, vous êtes au bon endroit. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Rien, rien, je ne vois pas qui c'est. Je ne me souviens pas de cet homme. Rappelez-moi votre nom. Windle, Alfred Windle de Sachsenhausen. Vous m'avez condamné pour détournement de fonds il y a 3 ans. Vous vous souvenez peut-être de Reminger, Reminger et compagnie? J'étais débordé de travail. Mais c'était une bagatelle, cette affaire. Je sais, ça ne vous a même pas marqué. Un beau jour, il manquait 20 000 marques dans la caisse. Le cambrioleur avait fait en sorte que tous les soupçons me tombent dessus. Monsieur l'avocat général a demandé 1 an et 5 mois de prison. De prison ferme, bien sûr. Je n'ai pas eu droit au sursis. C'est évident, les preuves semblaient contre vous. Ah, la mémoire vous revient. Oui, enfin, vaguement. Mais ça n'est pas pour cette raison que vous... Ah. Mais qu'est-ce que c'est pour vous? Une raison. Le juge a adopté point par point vos recommandations. Vous avez gagné sur toute la ligne. Quand on m'a relâché, mon poste était occupé. Bien sûr, ce n'était pas ça le pire. Oh non. Le pire, c'est que vous m'avez réduit à rien. Vous avez détruit ma carrière. Et désormais, personne n'aura confiance en moi. Un caissier inculpé et condamné pour vol. C'est fini, c'est sa mort. Et il n'était pour rien le type qui est mort à l'hôpital. Je ne l'ai pas fait exprès, c'est un accident. Tout à fait involontaire. Les imprévisibles conséquences d'une bagatelle. Et que vouliez-vous démontrer par vos actes? Pas grand-chose. Je voulais vous faire goûter votre justice, tout simplement. La justice rendue par l'avocat général Wiermüller. Bon. Allez-y, appelez la police. À vos plats, s'il vous plaît. Oh non, non, merci. Merci. Après vous, cher collègue. Ah non, non, je vous en prie. Non, non, je vous en prie. Oh. Non.